Et puis on vous en a beaucoup parlé hier sur Europe 1, les Français profitent du premier week-end de déconfinement. L'occasion de se mettre au vert pour beaucoup ou de retrouver ses proches. À Paris également, les habitants sont sortis prendre l'air, notamment sur les bords de Seine. Des Parisiens contents, vous allez l'entendre, et prudents également. On a sorti les oreillers gonflables, la nappe, la salade d'été. Moi, ça faisait 2 mois que j'avais pas refait de vélo. On a fait 7 ou 8 kilomètres depuis chez nous. Ça fait faire du sport et puis surtout, ça fait prendre l'air. Et ça fait vraiment du bien. Du coup, j'ai vu mes grands-parents que j'avais pas vu depuis le début du confinement, qui sont un peu seuls du coup dans Paris. Bon, bien sûr, masque, gestes barrières, etc. Mais on n'est plus habitué, du coup, c'est particulièrement émouvant. C'était tout ça. Au début, on était un peu désemparés, quoi. Une reprise de la fête. On s'est bien amusé, on a fait quelques bêtises et tout. C'était bien marrant. Ça m'avait beaucoup manqué. En fait, mais on a essayé de garder. Malgré tout, les précautions. Il y avait à boire et du gel hydroalcoolique. Voilà des témoignages recueillis par Caroline Baudry.